Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Au sommaire de Champs Libres aujourd'hui, une escapade en Charente-Maritime, Vienne et dans les Deux-Sèvres. Danse contemporaine et personnes âgées, pas très glamour? Détrompez-vous et découvrez comment une chorégraphe fait danser des mamies le temps d'une valse. Pour la rubrique Vue, Marc Deneyer photographie les paysages qu'il découvre au fil de ses balades au cœur de la Vienne. Et si la Saintonge était l'épicentre de la création de films consacrés à l'Afrique? Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre rubrique du bout du monde. Depuis le village de Saint-Christophe-sur-Roch, la compagnie Carabosse enflamme les nuits de tous les continents, un rendez-vous lumineux. Avec Plateau de Franck Buys, le roman noir se fait rural. C'est le coup de cœur de la librairie Matoulu. Il y a des aventures humaines qui méritent qu'on s'y attarde. Festival au village est de celle-ci et c'est notre décoiffant grand format. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Aller danser chez les personnes âgées isolées, c'est le pari un peu fou de la chorégraphe Sophie L'Enfant. Mais son projet, Le Temps d'une valse, est aussi un film dont la première partie est projetée aujourd'hui dans la petite commune de Neuil-les-Aubiers. Alors, qu'est-ce qui se passait au bal? Comment ça se passait? Je dansais. À y mouiller ma chemise. Et puis moi, mon plaisir, c'était de danser, c'était de suivre, enfin, que la musique m'emporte, c'est tout, quoi. Mm-hmm. J'étais née avec la danse, le rythme dans la peau, je pense. Mm-hmm. Le Temps d'une valse, c'est un projet artistique itinérant. Concrètement, je marche pour aller rencontrer des personnes qui sont chez elles et je leur propose de venir chez elles. Et je leur propose un moment de danse pour elles ou avec elles. C'est un peu étrange et insolite pour elles parce que c'est une aventure assez extraordinaire, enfin, d'accueillir chez soi une danseuse qui arrive à pied et qui se met à danser. Eh ben moi, j'ai bien envie d'aller mettre une petite valse. Une petite musique de valse. D'accord. Oh, mais non, moi je peux pas. Non. Ne vous inquiétez pas. Mais je suis très bien accueillie parce qu'il y a vraiment aussi une grande envie de partage et d'échange et de raconter des choses sur la vie tout simplement. La ruralité, je dirais, c'est amener peut-être le public à regarder cette forme de danse d'une manière un peu différente que quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est pas pour nous. Eh bien, maintenant j'y suis vieille. Mm-hmm. Mais je me rends compte qu'il n'y a que le corps qui accuse le poids des ans, si vous voulez, le corps, le physique. Oui. Mais dans sa tête, on est toujours ce qu'on a été en naissant. Bon, ben, on va se mettre à danser. Eh ben, si vous voulez. Si vous voulez. Vous avez de la musique? Oui, bien sûr. Pour moi, aujourd'hui, la ruralité, c'est quand même source de calme et d'apaisement. Et je trouvais que c'était une bonne source justement d'inspiration pour le film et que ça collait tout à fait en fait au projet de Sophie. Et malgré tout, on ne peut pas nier que les campagnes ont été un petit peu désertées à certains endroits par ses habitants. Et donc du coup, il y a une solitude du fait même de la vieillesse, mais il y a aussi une solitude du fait même du milieu rural. Et du coup, là, il y a, à mon avis, pour la suite du projet et la suite du film, un espace à explorer, peut-être l'espace extérieur. Sortir du salon et d'aller explorer la campagne avec nos mamies, quoi. Bilan très positif, parce que les rencontres, elles sont aussi très, très riches, quoi. Très riches sur le plan humain, bien sûr, et puis aussi sur cette rencontre qui fait que oui, c'est possible d'aller rencontrer des personnes âgées isolées, c'est possible d'aller que ces gens-là puissent accueillir une proposition artistique aussi insolite soit-elle,
parce qu'il y a, à partir du moment où l'échange il se fait, justement, à partir du moment où humainement on prend le temps de se rencontrer, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et ça, c'est intéressant. Arrivé à la photographie après s'être adonné à la musique et au dessin de presse, le Belge Marc Deneyer a fait du paysage son sujet de prédilection. Après des débuts marqués par le noir et blanc et les grands espaces comme le Groenland ou le Japon, il se met à la couleur et au paysage qu'il trouve autour de lui, en particulier dans la Vienne où il est installé. Parmi ses sources d'inspiration, la forêt de Moulières à l'est de Poitiers, une des plus grandes de la région, mais aussi les eaux paisibles de la Vienne ou plus tumultueuses de la Gartempe, et bien sûr, l'immensité des champs et prairies. Les paysages qu'il immortalise sont toujours vierges, on n'y rencontre ni bâtiments, ni présence humaine. J'aime être en quête du nature des premiers jours, me confronter à la nature dans ce qu'elle a de spirituel, se plaît à dire le photographe. Marc Deneyer avoue aussi un goût pour les compositions graphiques, les lignes, les matières, les signes qui apparaissent dans le paysage au gré de ses promenades solitaires. Mais ce qu'il préfère, ce sont les paysages dans la brume, parce qu'ils sont porteurs de mystère et de profondeur, à son image en somme. À Meursac, en Charente-Maritime, c'est l'Afrique à portée de film. Connexion immédiate avec Florent Coulon de Vrai Vrai Film. Ici, on est à Meursac, donc Meursac en Saintonge, à côté de Saintes, après à peu près à mi-chemin entre La Rochelle et Bordeaux. Et on produit ici des films documentaires qui sont quand même essentiellement des films d'auteur, qui assument un regard subjectif. Voilà, beaucoup des films de société. Après aussi pas mal de films avec des thématiques politiques ou environnement, et notamment avec des réalisateurs africains. La colère dans le vent, c'est un film documentaire réalisé par une jeune femme nigérienne dans le nord du Niger, dans sa ville natale à Arlit, qui est une ville où il y a deux mines d'exploitation de l'uranium par Areva. Et c'est un film qui est un film de témoignage autour de la pollution qui est provoquée par l'exploitation de l'uranium et notamment des problèmes de santé qui en découlent pour la population locale. Vivre riche, on a fait la première mondiale de ce film donc en Suisse, au Festival Vision du Réel, en avril dernier. Et le film a reçu le Sester d'or, donc le prix du meilleur moyen métrage de la compétition internationale. Les films produits par Vrai Vrai Film, ils sont diffusés beaucoup en festival, à la télévision aussi. TV5 Monde a diffusé et diffuse un certain nombre de nos films. Donc l'idée, c'est de c'est de travailler à partir d'un territoire où on est bien. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, à partir d'un petit village, produire des films avec le reste du monde. Passé maître dans l'art du feu, la compagnie Carabosse crée des installations à la fois poétiques et spectaculaires. Creuser de cette aventure qui dure depuis 30 ans, un petit village des Deux-Sèvres. Nous sommes donc à Saint-Christophe-sur-Roc, petite commune de, on va dire, je crois, c'est 550 habitants, située pas très loin de Niort. C'est notre petit refuge dans lequel on a acheté l'ancienne laiterie du village. Et on s'est installé ici il y a plus de 20 ans. La compagnie Carabosse, c'est une compagnie de spectacle vivant, de spectacle de rue. Notre jouet, c'est la flamme, le feu, où on investit un lieu en extérieur et on installe des structures où on essaie de faire, de montrer le lieu existant, on essaie de le magnifier, de l'éclairer à la flamme. Si
Si la magie de Carabosse s'invente à Saint-Christophe-sur-Roc, leur flamme tutoie les étoiles un peu partout dans le monde. Et à chaque fois, une nouvelle aventure esthétique et humaine s'écrit. Alors, si on fait un petit peu le tour... Bah, ça, c'est dans les plus récents. Hein. Ça, c'était le pont du Gard, là, par exemple. Là, là on est au Vietnam. Villeurbanne, ça, c'était... Villeurbanne, c'était un gros projet avec une équipe australienne qui travaillait le bambou. Quelque chose de fort, encore, là. Pour les habitants, pour nous, c'est à Londres. Le site qui s'appelle Battersea Power Station. Et du coup, il y a Pink Floyd qui a fait son show ici et nous. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, une image du Maroc. À Rabat, donc, dans les Oudeya. Un site extraordinaire. C'est la base de la compagnie Carabosse, installation de feu, donc sur tout ce qui est spectacle à base de flammes. Des pots en fait qui sont remplis de paraffine avec une mèche, ça dure 3 heures, c'est à usage unique, ça veut dire qu'on l'utilise qu'une seule fois. Une fois que les pots sont brûlés, on ne peut pas garder les pots parce qu'ils ont accepté déjà une chaleur, donc après on les jette. Je dis c'est la base de la compagnie Carabosse parce que lorsque Carabosse est créé, c'est la recette du pot en terre et de la paraffine qui a été la première mise en place quoi, sur les installations de feu. Voilà. Donc là, l'activité d'aujourd'hui, c'est de remplir les pots de paraffine. On coule par jour entre 750 et 800 pots. Donc sur 4 jours, 3500 pots semaine. On va dire sur une grosse année de spectacle, entre 20 et 26 représentations, on peut utiliser 40 000 pots. On propose une promenade, on doit être les seuls à le faire, à ce niveau-là. Alors on peut proposer des grosses images très enflammées et des petites choses très vraiment très fines. Et on arrive à créer quand même des émotions. On emmène les gens quand même assez loin parfois. Oui. Faut être passionné, sinon on le fait pas quoi. C'est pas possible ça. J'ai jamais voulu être paysan. Georges baisse les yeux, prend sa respiration et garde un moment l'air dans sa bouche, avant de se décider à parler de nouveau. Virgile et elle, ils m'ont fabriqué pour que je reste ici et que j'ai surtout pas envie d'aller voir ailleurs. Des fois que j'ai l'idée de parvenir, pour eux, c'est impensable que la moindre parcelle familiale soit vendue à des étrangers. Tout ce qu'ils ont connu, c'est ce satané plateau. Qu'ils endurent, comme s'ils étaient persuadés de faire partie d'un peuple élu. Un peuple d'esclaves. Oui, depuis toujours, leur projet, c'est de m'entraîner à leur suite. J'ai choisi ce livre pour son écriture, sa finesse. C'est un auteur qui a écrit aussi un autre livre qui s'appelle Grossir le ciel, où ça se passait dans les Cévennes. Là, cette fois-ci, on est sur le plateau des Mille Vaches. Et toujours son écriture qui donne vie aux personnages, qui décrit, mais... le paysage avec une finesse, une réalité, quoi. On est dans une famille de paysans. Donc il y a Georges, le personnage principal, il y a Virgile, Judith et Corrie. Corrie, une jeune femme qui va arriver en fait dans ce milieu. C'est la nièce de Judith et qui va bousculer la vie de ces hommes et de ces femmes. Enfin, surtout un monde d'hommes quand même. On est dans un monde d'hommes, un monde taiseux, un monde de secrets. C'est d'abord une tragédie familiale. Tout le livre est mystérieux, vous ne pouvez pas le lâcher. C'est pas possible, c'est vraiment captivant, haletant.
En pleine campagne des Deux-Sèvres, il y a un village. Et dans ce village, un festival. Et dans ce festival, des bénévoles par dizaines. Avec eux, des comédiens, des musiciens, des marionnettistes qui font battre le cœur de Brioux-sur-Boutonne. Festival au village, un rendez-vous qui porte décidément bien son nom. C'est l'événement de l'année. À Brioux-sur-Boutonne. À Brioux-sur-Boutonne, voilà. Il faut que ça perdure, il faut que ça continue voilà, comme ça. Ça va bientôt faire 30 ans l'année prochaine. On est très contents. Et en plus, cette année, on a une superbe scène. Ouais. C'est génial. Je pense que si ça dure encore 30 ans, j'y serai les 30 prochaines années. En fait, le festival, c'est une scénographie un peu particulière. En fait, on a décidé de faire une scénographie place et cour. Donc, il y a des cours ouvertes tout autour de la place, la cour Capitaine Lard, la cour Pellevoisin, la cour Castor. Et dans toutes ces cours, il y a des spectacles tous les soirs. Et puis après, les chapiteaux se trouvent sur le pré de l'école, un peu plus loin. Donc là, on arrive dans les cuisines publiques. Brigitte qui s'occupe en grande partie de toute la restauration publique. 300, 350 repas tous les soirs. Voilà, avec toute une équipe. Toute l'équipe. Oui. Voilà, Janie, Béatrice, Louise, Isabelle. Elles sont. Vous êtes combien? Vous êtes. Cette année, là, on est 18. 18, 19, hein. Voilà. Cuisine. Donc la billetterie, bah, elle est ouverte tous les jours depuis maintenant 15 jours. En sachant qu'on ne vend plus beaucoup de places parce qu'on est à 95% de remplissage depuis l'ouverture du festival. Donc c'est Annick ce soir qui est à la billetterie. Salut Annick. Salut. Bah, elle gère 15 000 entrées, donc elle fait un boulot complètement de malade. Oui. Moi, ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans. Moi, comme je suis beaucoup plus jeune, ça ne fait que 3 ans. Eh ben, je m'appelle Christophe Rerbeau, je suis médecin généraliste à Brioux-sur-Boutonne depuis 35 ans. D'un papa médecin aussi et d'un grand-père médecin aussi à Brioux. Issu d'un papa et d'une maman qui m'ont donné le goût du théâtre dès l'âge de 7 ans, qui m'ont traîné avec ma sœur à Avignon, on était déjà tout petits. Et j'ai créé ce festival avec toute une bande d'amis et de copains il y a 29 ans. Et voilà, ce festival maintenant a pris son envol, son ampleur et sa détermination. Il se trouve qu'il y a en milieu rural, il y a une vraie énergie de gens pour faire vivre leur territoire. Et je crois que ça va continuer encore longtemps. On est à la cour Castor, un très bel endroit, magnifique. Où il y a eu déjà de nombreux spectacles. Je suis venu il y a 30 ans, il y avait un seul spectacle, et puis c'est devenu petit à petit un festival de plus en plus important, très agréable. On a envie de pouvoir partager beaucoup de moments avec tous ces gens qui vivent ici toute l'année, qui préparent ce festival, et 150 bénévoles. Tous passionnés, de tous les milieux sociaux. C'est un mélange, il y a de tout. C'est bon ? On y va ! Partager la vie de tous ces gens dans cette région que je ne connaissais pas, loin des grandes villes, et ils sont cultivés, ils sont intéressants, ils sont généreux. On travaille avec eux, on prend des outils, on monte des estrades, on fait tout, on dort chez eux, c'est formidable. Elle est comme ils sont, curieux de tout. Les compagnies qui viennent ici me disent mais le public ici c'est incroyable quoi, c'est mélangé. On peut pas dire c'est pas du public de théâtre ou de cirque ou de chanson, je sais pas quoi. Non, c'est des gens qui viennent. Je sais pas parce qu'ils sont du milieu rural, mais ils sont quand même attentifs à l'autre, en tout cas ici. Thank you.
On a un fonctionnement très particulier puisqu'il y a plein d'équipes de préparation qui nomment 2-3 personnes de leur commission pour siéger dans un comité artistique parce qu'on a toujours décidé de construire ensemble le festival avec les bénévoles, avec leur soutien. Et ça, c'est essentiel pour nous dans un milieu rural que les gens s'emparent de cette programmation et la fassent vivre. Le Théâtre d'Unité, c'est quand même une compagnie emblématique hein, sur le théâtre de rue et tout ça. Ça fait plusieurs années qu'on a envie qu'ils viennent ici. Et en plus, ils arrivent à un spectacle qui est pile poil, c'est Oncle Vanier à la campagne. D'un seul coup, ici, voilà, on est tout heureux. On a trouvé une ferme. Il se trouve que c'est le maire de Briou qui a prêté sa ferme, puisqu'il est agriculteur. Donc on se retrouve chez lui et ça s'installe. Grande jauge, 400 personnes. Ça, c'est un vrai beau partage. Et pour qui maintenant nous frayons le chemin, auront-ils une pensée pour nous? Non, ils nous auront oubliés. Si les hommes nous oublient, Dieu ne nous oubliera pas. C'est beau ce que tu dis là. Bagna ! Oui. Bagna, bagna ! Oui ! Patati patata patati patata. Bien dormi ? Trop dormi. Attendez, depuis qu'ils sont arrivés ici, le professeur et sa femme, c'est l'horreur. Je ne fais plus rien. Je dors le jour, je mange exotique, je bois. C'est pas bon ça. Dans le temps, on travaillait dur, Sonia et moi. Maintenant, il n'y a plus qu'elle qui travaille. Moi, je dors, je mange, je bois. C'est pas bon tout ça. Le théâtre, il bloque les gens, c'est un vrai problème. Même le théâtre le plus amical qui soit, on leur dit que c'est pas pour eux et ça fait 400 ans que ça dure. Le théâtre du Moyen-Âge, il était pour tout le monde. Il n'y avait pas de lieu fermé avec billetterie, etc. Dans le temps, c'était vraiment un truc populaire. Et nous, on essaye de retrouver ce miracle-là. Bon, on ne le retrouve pas complètement. Parfois, on le retrouve un peu. Tchekhov avait toujours dit que ces pièces étaient des comédies, elles devaient faire rire. Et nous, on a fait très attention qu'on rit, parce qu'en fait, le texte est drôle. La maladie, on peut encore s'en accommoder, mais la campagne... Oh, excusez-moi, la campagne, c'est épouvantable. J'ai l'impression d'être tombé sur une planète inconnue. Sans cesse, je me réveille. Encore une lumière dans la pluie nocturne. Le bruit éloigné des pas de la personne attendue sur les feuilles mortes. Des meules de foin dans la vaste solitude de la lande flétrie. Le soleil fait briller les pierres de la lande flétrie. Mais je fais quoi là? Je fais quoi? Je fais quoi là? Je fais quoi? La compagnie, en fait, elle offre de la vodka, du borsch, qui est la soupe russe par excellence. Et puis, il y avait des gâteaux, mais il n'y en a déjà plus, alors je n'en ai pas mangé, voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas que les gens disent « j'ai aimé, j'ai passé un bon moment », tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est 10 ans plus tard, ils me disent « je me souviens d'un Vanya à Brioux ». C'est quand même pas mal d'avoir un décor qui fait 150 mètres de large, 80 mètres de profondeur, des bottes de paille, 400 personnes assises qui viennent de partout pour voir ce spectacle entre chiens et loups. Voilà, c'est que du bonheur. Dans le prochain numéro de Champs Libres, focus sur Hydraphonie, un envoûtant festival qui fait entrer cinéma et musique expérimentale dans les églises périgourdines. Alain Laboile photographie ses enfants dans la nature depuis 15 ans, des images qui ont fait le tour du monde. Et si notre rubrique vue. Rendez-vous au bout du monde avec Troops, un dessinateur voyageur à l'univers graphique singulier. De la musique, des caméras et des enfants, c'est la jolie aventure collective d'Ask et d'ailleurs. Dans la rubrique Lue, la rencontre d'un homme et d'un chevreuil au cœur des vignes, avec Sous la vague, le beau roman d'Anne Persin. Découvrez la diversité du cirque d'aujourd'hui en empruntant la route du cirque, un étonnant festival qui installe Chapiteau et Folie Douce en plein cœur de Nexon. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.